Je suis Irène Barbard, je suis enseignante-chercheure à l'Institut Agro Montpellier et je travaille dans l'unité mixte de recherche IAT pour ingénierie des agropolymères et technologies émergentes. Donc je travaille sur les procédés de fractionnement voie sèche des céréales et légumineuses, notamment le sorgho. Alors pourquoi cet intérêt sur le sorgho ? Il y a beaucoup de verrous technologiques pour l'aptitude à la transformation en farine. Et donc, nos études concernent les modes de broyage pour essayer d'étudier le lien entre les propriétés intrinsèques des variétés de sorgho et leur aptitude au broyage, et ainsi étudier le lien entre produits, procédés et processus. Nous visons aussi une compréhension scientifique fine des mécanismes de déstructuration pour essayer de générer des farines fonctionnelles et la séparation des composants d'intérêt, notamment de protéines et l'amidon.